Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve sur un compte d'abonnés pour la fameuse step-up. Vous savez, je l'ai faite aussi de mon côté, vous avez vu ce que j'avais eu, je trouve que j'ai eu ce qu'il fallait, on va dire, presque. J'ai pas eu Grimmjow, donc là je le vois ici de présent, ça me fout un peu le seum. Ulquiorra, Grimmjow et Noitra, donc la sacrée de bon perso à Rankar, lui, comparé à moi, j'ai pas beaucoup de Rankar. Ah oui, d'accord. Il a pas beaucoup de perso, mais il a commencé récemment, je pense, hein. Non, je sais pas. Non, parce qu'il a le free. Non, Free Energy, on peut l'avoir dès le début. Il a beaucoup de free. Ok. Il a. Shoryuki. Soda. Enfin, comment ça s'appelle? Putain. Sodano. Shell. C'est le Bankai. Sodeno. Oui, c'est ça, c'est Shirayuki. C'est juste, Lucas, c'est juste. Tu sais ce que tu dis, tu sais. Il a pas mal de choses. Et. Enfin. Il a eu les trois. Non, 1, 2. Non, il en a eu 2. Il a pas eu Riruka. Ok, le Grimmjow Noitra. Ouais, non, il se met bien. Il n'a pas beaucoup, mais il en a des sacrément bons, je trouve. Notre ami, est-ce qu'il y a quoi comme équipe? Ok. Donc, est-ce qu'ils sont équipés? Avant de faire la step-up? Oui, je mets un petit peu de suspense. Histoire de. Allez, je suis encore stressé du truc parce que j'ai invoqué de mon côté. Ouais, intéressant. Intéressant. Putain, il est sacrément bon, le Grimmjow est sacrément stylé. Putain, je l'ai pas eu encore. Je l'ai pas eu encore parce que je crois qu'on peut l'avoir dans le truc des minds. Enfin, le truc des attributs, là. Bref, bon, on va faire le truc, hein. Évidemment, on va le faire. On va le faire, les gars, je sais, je sais, je sais, je sais. Alors, je vais pas toucher à ses attributs. Alors, on est parti. Donc, il m'a rien touché, c'est bon. On va faire le gratuit solo parce que, bon, c'est... Pour débuter, histoire d'autre, c'est... Mais je suis sûr que ils auront trop de chance, mes abonnés. Je suis sûr. Non, pour l'instant, non. C'est pas bon. Tu vas me dire, c'est une solo random. Moi, j'avais une 3 étoiles là-dedans. Même pas foutu avec 24% de 4 étoiles. T'as 24 étoiles, quoi. Bref, est-ce qu'on va s'arrêter directement? Je sais même plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, arrête-toi au cas de Chigo, je crois. Je pense. C'est ce qu'il m'avait dit. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Écoutez, je ne sais plus. Bref, pour l'instant. Rien du tout. Bon là c'est prêt. Moi je trouve que là, pour l'instant c'est normal. En termes de stats, parce que si je prends les stats les gars, je suis pas censé avoir un 5 étoiles. Dans les premiers 3 paliers, il y a de fortes chances que j'en ai pas. Si j'en ai, c'est-à-dire que c'est cool, j'ai de la chance. Voilà. Évidemment c'est toujours saturé. Un peu moins qu'avant, mais toujours saturé. Et bon de mon côté, j'avais pas eu trop de chance, je trouve. Bah en fait j'ai eu les chances minimales, hein, on va dire, mais bon j'ai eu ce que je voulais quasiment, donc tout va bien. Pour l'instant il a exactement à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire en termes de... Comment dire? En termes de chatterie, n'est-ce pas? Mais il y en a, ils m'ont fait des screens, mais je suis genre ébahi, genre les gars ils ont eu Ichigo et Grimmjow, un en solo la gratuite et l'autre en multi gratuite, donc les gars ils ont plus besoin de rien de faire, tu vois, ils ont pas besoin de dépenser. Et là, c'est abusé. Bon, après, je me dis que c'est souvent des comptes qui sont à peine débutés. Du coup, à mon avis, je suis sûr que les comptes qui débutent, ils sont aidés. Moi, je suis sûr. Avec tout ce que j'ai fait comme invocation, moi, je pense. Hein. Ok. Écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour mon abonné. Donc, si. Moi, je veux juste qu'il y ait Ichigo qui sorte à un moment donné. Parce que c'est ce qu'il veut. Donc, s'il vous plaît. Et la même chose que moi. Hein. Pour l'instant, c'est la même chose que moi. C'est-à-dire que moi, ça sautait au palier 5, au palier 6 et au palier 10. Genre, j'ai dû attendre un peu. Voilà, enfin! Alors, Ichigo ou pas? Ah non, c'est Yami. Allez, on peut voir Yami aussi. Très bien. Enfin, très bien, je sais pas s'il l'a. On va voir s'il l'a ou pas. Bon, Yami, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais je crois que lui, il l'a pas. Il l'a pas, lui. Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tant que c'est pas un doublon, ça va, moi je trouve. Moi je trouve que ça va si c'est pas un doublon. Maintenant, il veut Ichigo. Mais on a encore le palier 5 qui est gratuit, je vous le rappelle. Et qui dit gratuit dit peut-être le Ichigo. Le Ichigo, moi je l'ai eu dans le palier 5. Donc, on y croit pour l'instant. Ok. Il y a beaucoup d'arrancards, n'empêche, dans les packs. Hein. Parce que j'ai eu beaucoup plus d'arrancards dans ce genre de pack, dans ce setup, que dans tous les autres. Donc en termes de perso, en fait, c'est que presque des bons persos hein, quand j'y pense. Enfin, que des bons portails de perso. Genre, il y a le portail, je crois, il y a Aizen, il y a Ichigo, Dengai. Je pense qu'il y a Barragan qui doit traîner.
Mais je n'ai pas vu en fait dans les screens comme on voyait. Il y a Yami, Neutra. C'est ce que j'ai pu voir. Il y a forcément Grimmjow. Il y a aussi le Ichigo et le Lulkura. Le violet et le mine, tu sais. Enfin, Lulkura violet et puis Ichigo orange. Bref. On a la gratuite. Allez, j'espère que tu auras ce que tu veux. Donc, vu qu'il me permet de faire 1750, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement. Yes. Encore 5 étoiles. Tu peux l'avoir, Ichigo. Non. Oh! Il a pas le Fullbringer. C'est Fullbringer. Yes! Je crois qu'il n'a pas le Fullbringer. Donc, du coup, c'est super cool pour lui. Il le voulait, je crois. Aussi. En priorité, évidemment, le Ichigo. Le Ichigo Mamoru harmonisé qu'on aime tous. Ah, Riruka, ça aussi je crois qu'il l'a pas. Voilà, 2-5 étoiles, c'est super cool. Il y a aussi des Riruka, du coup, il y a aussi Rukia et Renji, putain, il y en a plein en fait. Je pense, hein. S'il y a Riruka, il y a Rukia et Renji dans le tour, ça y est. En fait, c'est chaud d'avoir ce qu'on veut vraiment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de 5 étoiles. J'ai eu la chance d'avoir des. Enfin, à part Neutra, que j'ai eu plusieurs fois, là. J'ai eu, je crois, 2-3 de Neutra. Non, 2 Neutra. Un Ichigo. Oh! Il y a aussi Yukio! Ah, il va être content, c'est bon, il est content, je pense. C'est que des nouvelles, il a pas. Yukio est méga forte, hein. Ah, franchement, là, je lui ai refait, hein. Je pense qu'on est multi. Bon, il veut le. Il veut, je pense, le Ichigo. Je pense que là, si j'arrive à lui choper le Ichigo, c'est bon, hein. Il me bénit à vie. Ouais, New, on est d'accord, et New, voilà. Bon, là, il a une sacrée multi. Ouah, je suis content pour toi, mec. Maintenant, il faut le Ichigo. Si le Ichigo tombe, c'est bon, j'ai fait mon contrat. Donc là, en gros, j'ai le palier 6, le palier 7, et je refais en fait le palier 7. Et après, je dépense plus, et c'est lui qui fera. Ils peuvent pas le faire parce que justement ils ont pas beaucoup de persos donc ils peuvent pas récolter beaucoup d'orbes sur les persos qu'ils ont. Là moi j'ai du travail tu vois à faire sur mes persos, j'en ai plein. Donc il n'y a pas de souci. Après ça va être short hein, pour obtenir ça, je vous le dis d'avance. D'avoir les 2000. J'aimerais avoir 2000 ouais, 2000 je pense c'est pas mal. Et ouais, donc là on a un gars qui a pas mal de choses. Pas mal de choses hein. Pour l'instant je pense qu'il doit être content. Il doit être content, mais pas supra-content. Tu vois, il reste la cerise sur le gâteau. Et je le comprends. Parce que alors, lui, il va invoquer pas pour tout cela. Alors, le palier 7. Là, ça fait 1400. 50. 1400. Et ensuite, je suis encore 250 de plus. Donc là, il a rien, malheureusement. Et le dernier palier, encore une fois. Pour arriver à peu près au 1750. Et ensuite, bah, c'est lui qui décidera de ce qu'il veut faire. S'il veut encore dépenser ou pas, si jamais j'ai pas Ichigo. Voilà. Je pense pas que. Je pense qu'il a quand même eu un truc pas mal cool. Enfin, par rapport à moi, putain. Je trouve que c'était pas dégueulasse. Hein. C'était pas dégueulasse comme. Au moins, tu vois, il a des 5 étoiles, même s'il a des doublons. Enfin, pas de doublons. Il a des 5 étoiles, justement. Non, voilà. Tu vois, j'aurais dû m'arrêter avant. Mais bon, c'est pas grave, je veux pas savoir non plus. Voilà, donc il a pas eu Ichigo. Donc il verra ce qu'il veut. Je pense qu'il va claquer le reste. C'est quasiment sûr. Mais. Moi je trouve, hein, avec ce qu'il a eu, par rapport à des screens qu'on m'a fait, il a eu quand même pas mal. Il a eu Yami, Ginjo, le Fullbringer, on l'oublie tout le tour, on l'oublie, hein, mais le Fullbringer quand même. Donc c'est le meilleur vert, hein, spé, ce que tu veux. Maintenant il y a quand même le nouveau Ichigo bleu qui est aussi très très bon en spé, je pense qu'ils sont assez similaires, quoique peut-être que le bleu est plus fort que celui-là, j'en sais rien. Yukio, donc il a eu 4 différents, 5 différents avec Riruka. Non, franchement.
Non, franchement, il se met assez bien. Il n'y a pas un autre qu'il a eu? Non, c'est ce qu'il a eu. Hein. Il en a eu 5. Franchement, il se met bien. Moi, j'en ai eu, je crois, 4. 4 à peine, alors que j'ai fait beaucoup plus d'invocations. Je crois 3 multi-invocations de plus. Et j'ai eu moins de persos et des doublons. Mais j'ai eu le Ichigo. Donc, ah, tu vois, savoir comment tu vois le truc, tu vois le truc. Bref, j'espère que ça vous a plu et j'espère que toi, mon cher. Comment tu t'appelles? Déjà. Mon cher Date, que t'as quand même kiffé. De toute façon, il te reste encore 1900 pour le Tensa. Je pense que tu vas avoir le Tensa, hein, avec tout ça. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pyrux. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres invocations d'abonnés.